Bonjour à tous, je viens vous présenter un roman ado, L'enfant du cerf Shikanoko de Lian Hearn. C'est une épopée fantastique qui se déroule dans un Japon médiéval. On y retrouve des aventures de samouraïs traditionnels et on est en compagnie bien sûr d'humains et également d'esprits plus ou moins protecteurs, de fantômes et aussi d'animaux dont certains sont magiques. Dans ce livre on suit les aventures de Kazumaru, un jeune homme qui va changer de nom et s'appeler Shikanoko. Ce jeune homme est laissé pour mort, il prend refuge auprès d'un sorcier, Shizoku, et ce sorcier va lui fabriquer un masque avec d'immenses pouvoirs magiques. Je vous lis le passage de fabrication du masque. Kazumaru regarda le sorcier prendre la ramure du cerf et son crâne en demi-lune, avec lequel il entreprit de créer un masque, tout en psalmodiant un sutra mystérieux que le jeune garçon n'avait jamais entendu. Le jour céda peu à peu la place à la nuit. Dehors, les animaux s'agitaient en criant. Il sembla à Kazumaru qu'une femme s'allongeait près de lui. La peur l'envahit, car il n'avait jamais été avec une femme. Il avait évité les regards entendus des servantes à Kumayama, tant il se méfiait de ce qu'elles semblaient offrir et redoutait la façon dont les humains se blessent les uns les autres. Cependant, elle le contraignait à des étreintes qui se répétèrent encore et encore cette nuit-là et les suivantes, et les cris de Kazumaru se mêlèrent à ceux des animaux. Il savait qu'on se servait de son corps, avec toute sa force et sa virilité, à des fins qu'il ignorait. Il agissait contre sa volonté, mais son désir n'en était pas moins aussi ardent que celui de sa compagne. Dans la journée, il restait étendu. Incapable de bouger, a observé Shisoku qui peignait le masque en recourant à plusieurs couches de lac et aux fluides rouges et blanchâtres produits par les amants. Pour sécher les couches, le sorcier les passait à travers de la fumée d'encens en psalmoniant à chaque fois une incantation différente. Il confectionna des lèvres et une langue avec du cuir peint au cinabre, creusa des cavités pour les yeux et les ourla de cils noirs formés de cheveux de la femme. Il polit les bois jusqu'à ce qu'ils brillent comme de l'obsidienne. La pleine lune s'épanouit, puis l'astre sombra dans le néant. Quand il atteignit son premier quartier, le masque était terminé. Shizoku l'appliqua sur le visage de Kazumaru. Il s'ajustait à ses traits comme un gant à une main. Kazumaru sentit déferler en lui la force du cerf et toute l'antique sagesse de la forêt. La femme vint le retrouver une dernière fois. Il poussa des cris aussi retentissants qu'un cerf en automne. Le serrant contre elle avec tendresse, elle chuchota. À présent, votre nom est Shikanoko, l'enfant du cerf. Je m'arrête là pour cet extrait, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt.